La famille, combien de fois vous avez posé cette question à n'importe quel religieux? Tu es croyant ou pratiquant? Certains ils vont dire je suis juste croyant, je pratique pas. L'autre va dire je suis croyant et pratiquant. Mais est-ce que ces mêmes personnes ont la même foi en Dieu? Je vous pose cette question. Voilà, attendez, je vais pas faire le musulman ou les grands imams. Non, 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 ça n'a rien à voir. Mais je vais juste vous montrer deux types de personnes dans cette vidéo. Voilà, vous savez quoi? Vous n'allez pas en croire vos yeux. C'est un truc de dingue. Quand on dit quelqu'un qui a la foi en Dieu, c'est-à-dire il a peur de rien, sauf Dieu, subhanallah. Il a peur de rien, de personne, sauf de son créateur. On est bien d'accord. Là, ce que vous allez voir dans la vidéo, ça va vous faire changer de quelques idées de certaines personnes. T'en as qui disent, ouais, j'ai la foi en Dieu, je peur de personne, mais à un moment donné, quand il a peur, il va s'enfuir. Et t'en as quand ils disent vraiment, j'ai foi en Dieu. J'ai peur de personne. C'est vraiment, il a peur de personne. La famille, si la vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas de la partager au maximum. Et de mettre un gros pouce bleu si je le mérite et si la vidéo le mérite. Et on se retrouve à la fin de la vidéo afin que je vous donne mon avis. Sur ce, bon vision à tous et à toutes. En 2018, des fidèles ont fui une mosquée de Bali en Indonésie alors qu'un tremblement de terre meurtrier secouait le bâtiment, faisant tomber des panneaux du plafond sur le sol. Des images des caméras de sécurité montrent une file d'hommes priant à l'intérieur de la mosquée, se levant soudainement et s'enfuyant lorsque le tremblement de terre frappe, en voyant des parties du plafond s'écraser au sol, où les groupes étaient assis quelques secondes plus tôt. Vous remarquez aussi que certains sont résistés et d'autres enfuis. Et la question qui se pose ici, pourquoi ils s'enfuient? Est-ce qu'ils vont s'enfuir du destin du Dieu? Ou peut-être ils vont garantir leur sécurité en sortant des mosquées, sachant que le tremblement de terre a frappé tout le pays. Dans la deuxième vidéo, un imam indonésien récitant stoïquement des prières du soir à Bali, alors qu'un tremblement de terre meurtrier a frappé Lombok, qui est devenu viral sur les réseaux sociaux. Les internautes le félicitent pour sa foi inébranlable. Le leader islamique en robe blanche prêchait le soir dans une mosquée de Denpasar sur l'île de vacances de Bali lorsque le tremblement de terre de 6,9 magnitude peu profonde a frappé. Des images de l'imam enregistrées sur un téléphone portable le montraient appuyant contre le mur alors que la pièce tremblait violemment autour de lui et que certains fidèles s'enfuyaient du bâtiment. Alors vraiment, qu'est-ce que vous en pensez la famille? Vraiment, vraiment, non mais vraiment, dites-moi. Soyez sincères dans les commentaires. Soyez sincères dans les commentaires et ne me dites pas parce que Jericho, voilà, j'aime Jericho, je vais lui mettre un bon commentaire. Non, 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 franchement, soyez sincères. On va réagir sur les deux vidéos. Pour la première vidéo, on voyait quoi? T'en as qui sont sortis. En fouillant parce qu'ils vont croire que quelque chose va les tuer en fouillant la mosquée. T'inquiète pas, tu sors de la mosquée. De toute façon, le séisme l'a frappé tout le pays. Du coup, bah, même si tu sors de l'extérieur, de toute façon, tu vas pas échapper à la mort. Si ton destin, tu vas mourir aujourd'hui, soit dans la mosquée ou soit à l'extérieur, ça va être pareil. T'inquiète pas, si ton heure arrive, soit dans la mosquée, soit à l'extérieur, c'est la même. T'en as qui ont préféré de rester. De résister. Vous savez, peut-être vous le savez pas, les gens qui me regardent, mais nous, dans la religion musulmane, par exemple, il y en a qui souhaitent mourir en faisant la prière, en faisant le pèlerinage carrément. Ce qui est déjà arrivé à Rida, un ami à moi, ça va faire 3 semaines de ça, je pense, en Tunisie, il est mort en faisant sa prière à 5h du matin, Salat al-Fajr. Il était en train de prosterner. Sa femme arrivait, bah, elle l'a trouvé en train de se prosterner. Elle croyait qu'il était, bah, qu'il faisait sa prière alors qu'il était mort. T'imagines? Je donnerais des milliards et des milliards à rien qui est pour mourir comme lui. Je donnerais des milliards. Plus que les milliards. Pour décéder comme lui. Voilà la ravime, hein.
Je vous dis la vérité. Pour la deuxième vidéo, vous avez vu la foi de l'imam, le leader. Pourquoi on appelle imam déjà justement, el-imam, al-qudwa, parce qu'on dit ça en arabe. Vous savez, nous, en fait, quand tu as une question sur quoi que ce soit, c'est l'imam qui doit lui poser la question. Parce que lui, c'est lui l'exemple de tous les autres. Dans ton village, par exemple, l'imam, c'est l'exemple de tous. Admettons, ici, si c'est l'imam qui va s'enfouiller de la mosquée, les autres ils vont dire, vas-y. Ah, bah, si l'imam est parti, moi aussi je vais partir. Eh ben non. À part ça, à part que il a une bonne foi, il a failli pleurer. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, va, on reste dans le Coran, se prendre là. Il a voulu même pleurer. Il s'est dit, tiens, même si je meurs ici, il n'y a pas de souci. Akhoya, tu meurs en faisant la prière. Mashallah, c'est une bénédiction, sahabé. C'est une bénédiction, je vous jure. Et là, je sais, dans ma communauté, il y a des bouddhistes, il y a des chrétiens, il y a toutes les religions. Je vous respecte. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous parler d'islam, blabla. Non, 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 vraiment. Mais, voilà. T'imagines, par exemple, quelqu'un dans l'église qui est en train de faire la prière dans l'église et qui meurt dans une église, en priant. C'est pas une bénédiction, ça. C'est pas quelque chose de bien. Tu préfères mourir comme ça ou dans un accident de voiture? Au moins, tu meurs en faisant la prière. T'es clean, t'es blanc comme la neige. Tu vois ce que je veux dire? Bref, la famille, dites-moi dans l'espace commentaire vraiment de ce que vous en pensez. J'ai kiffé vraiment la foi de l'imam et la foi des fidèles aussi qui ont résisté au séisme au début de la vidéo. Ça m'a fait, wallah, c'est un truc de fou. Hein. Parfois, quand tu parles à quelqu'un, moi j'ai peur de personne, moi j'ai peur que de Dieu, nananana, mais quand il y a un séisme, une centaine qui sont partis, frérot. C'est un truc de fou. Profitez bien de votre journée, de votre soirée. Aussi, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai mise ce matin, qui parle pourquoi les Chinois mangent tout ce qui bouge, justement, la raison pour laquelle ça va vous apprendre quelque chose. N'hésitez pas également à partager cette vidéo et de mettre un bon petit j'aime, c'est la récompense. Sur ce, je vous embrasse tous, profitez bien de votre journée, de votre soirée, et je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Salut tout le monde, c'est Jaïko, bye bye, ciao, ciao. Je vous donne tous mes frères et sœurs.